Ce sont des hommes, des femmes, parfois encore des adolescents. Depuis quelques mois, la France découvre un nombre inquiétant de jeunes en rupture qui partent suivre un entraînement au djihad. Beaucoup meurent sur place. Certains rentrent, potentiellement prêts à passer à l'acte pour traquer ce terrorisme individuel, donc difficile à repérer. Le gouvernement va durcir ses lois. Voici à quoi il faut s'attendre. Alvina De Guito. Premier objectif, empêcher les actes individuels, comme ceux commis par Mohamed Merah ou Mehdine Mouche. Pour cela, le texte prévoit la création d'un nouveau délit, l'entreprise terroriste individuelle. Dorénavant, une personne isolée, un loup solitaire de retour de l'étranger, pourra être interpellée avant de commettre le moindre attentat. La simple intention suffira. Des mesures qui sont destinées à protéger les Français, qui ne remettent en rien en cause les libertés publiques, mais qui appellent simplement à un équilibre entre liberté et responsabilité dont la démocratie a besoin. Deuxième mesure de ce projet de loi, interdire à toute personne, majeure ou mineure, et suspectée de vouloir combattre à l'étranger, de quitter la France. Une interdiction de 6 mois renouvelable sera transmise aux compagnies de transport. Ce nouveau projet de loi va certainement compliquer les départs de Français au djihad, mais ne va sûrement pas les empêcher de partir. Tout simplement parce que cette interdiction administrative de quitter le territoire, elle passe par la suppression, la confiscation du passeport. Or, pour se rendre en Syrie, tous les djihadistes passent par la Turquie. Et en Turquie, on y va avec la carte d'identité. Donc, ces djihadistes vont continuer.